Hello, my name is Chloé. I'm an Erasmus student from England, the north of England, a town called Blackpool. I'm 22 just, and I'm here for one semester and then going to Spain next semester. Personnellement, je trouve la langue française un petit peu difficile parce que je parle la langue espagnole aussi et je trouve la langue espagnole plus facile que le français. Mais je pense que mon journée à Lyon, mon journée à Lyon a amélioré mon langue française. Oui. Je pense que pour les choses petites, par exemple le dimanche en France, pour l'après-midi, tout la ville est fermée. Mais en Angleterre, les supermarchés et les marchés locaux, les petits supermarchés sont ouverts. Je trouve ça un petit peu difficile pendant ma journée parce que c'est difficile pour trouver choses à faire le dimanche et de temps en temps je passe le journée à mon appartement parce que il n'y a quelques activités pour moi à faire pour le dimanche. Oui. J'adore la nourriture, le bouffe française. Pendant ma journée, j'ai mangé beaucoup de pâtisseries, comme les croissants et les autres. Aussi, je mange quelques types différents de fromage, mais il y a quelques qui sont un petit peu plus forts pour moi. Mm-hmm. Mais pour la musique, je ne écoute pas à la musique française, mais j'essaie à écouter plus, oui. Mais pour le monument, j'ai visité pendant ma journée par exemple, j'ai visité le basilique de Fourvière, mm-hmm. et aussi la place Bellecour, et j'ai visité le musée de les Beaux-Arts, le musée de miniature. Oui, le cinéma, la miniature, et aussi de la guerre. De la résistance. Oui. J'ai visité le musée de la résistance aussi. Et j'aime le monument de Lyon beaucoup parce que il y a beaucoup de choses à faire pour moi. Et oui, c'est mon truc préféré, c'est la chose à faire à Lyon et les monuments parce que c'est m'enrichissant. je pense que oui, parce que quand j'arrive le météo, le temps, c'est trop chaud. Mais après ça, je pense que beaucoup de mon vêtement à Angleterre, ce n'est pas le même style à français, parce que je pense que vous avez un style monochromatique,
C'est très c'est stylé, mais en Angleterre les vêtements sont plus casuels, un petit peu décontractés, donc je pense que j'essaie de ajouter à mon style un petit peu porte les vêtements. Oui, un petit peu plus monochromatique que oui. oui, je pense que il est indifférent. Je pense le plus grande différence, c'est mon lieu université à Angleterre. Il y a beaucoup de des chambres pour rester pendant la journée et quelques chambres aussi pour le étudier différent. Pour étudier des salles. Oui, oui, par exemple, il y a une salle pour les langues, les étudiants de les langues, et une autre pour les étudiants de les informatiques, par exemple. Et c'est, je pense que c'est bon parce que c'est une salle chaude pour rester pendant la journée. Mais ici, quand je n'ai pas un cours ou je retourne à mon appartement. Je pense que il y a un stéréotype que le français fume tout le temps. Et je pense que il y a un petit peu de vérité de ça, mais ce n'est pas tous les Français, mais je pense que il y a plus de fumeurs ici qu'en Angleterre. Ah, en Angleterre, en oui, Angleterre. Oui. Il y a un autre qui dit que le français sont sales, et je trouve que c'est faux. Ah oui, bien sûr. Et je vais retourner, oui, à Lyon, bien sûr. Et oui, j'aimerais mon Erasmus en France.